Moi, cigare, c'est un moment de plaisir, un moment d'évasion, également, on peut dire, un moment de méditation, parce que, enfin, surtout quand on est seul, on revient sur sa journée, son mois, son année ou sa vie. Donc, c'est des moments où on peut, enfin, moi personnellement, réfléchir à des projets, hein, la tête reposée. Je suis plus inspiré avec un cigare. Habituellement, je coupe mon cigare avec un coupe-cigare, mais depuis quelque temps, j'utilise la poinceuse pour perforer le bas du cigare et j'utilise moins mon coupe-cigare et plus ma poinceuse. Alors, l'allumer en général, en fait, ça dépend du moment, hein, donc, j'ai mes allumettes. Je préfère allumer mes cigares avec des allumettes, mais j'ai toujours un chalumeau avec moi en fonction de l'endroit où je me trouve pour fumer. Donc avec le chalumeau, c'est plus pratique. C'est-à-dire que on peut l'allumer plus facilement et plus rapidement en fonction de ce qu'on veut fumer, soit un petit module ou un gros module. Ces temps-ci, en général, je fume après le déjeuner. Et j'ai une habitude qui est de finir mon verre de vin à la fin de mon repas, même après le café. Donc ça fait que quand j'allume mon cigare, en général, mon verre de vin est plein. Donc j'accompagne mon cigare avec mon verre de vin, que ce soit du rouge ou du blanc. Enfin, je serais non-fumeur et je serais contre le tabac. Et je m'ouvrais en train de manifester contre les fumeurs. Et je serais devant tous les bars où on laisse les gens fumer. Voilà. Malheureusement, je suis... je fume. Donc, voilà. Mon sport favori, je dirais le football, comme la moitié de la population sur cette terre. Mais mon sport favori, c'est le badminton. Ça peut vous étonner. Pendant mes années d'études en France, j'ai eu à jouer au badminton à un niveau assez élevé. J'étais même vice-champion de France de badminton. Et si je regarderais des matchs de badminton à la télé en fumant, oui, ça m'arrive, souvent aux Jeux Olympiques. C'est le dernier souvenir que j'ai d'avoir veillé très tard à regarder les matchs de badminton avec c'était un Partagas, un petit Partagas à l'époque. Voilà. Donc le badminton avec un petit cigare à la main. Voilà. Alors c'était. Un cigare que mon père avait fini de fumer quand il est parti se reposer. J'ai, par curiosité, comme tous les enfants, je dirais pas enfants, adolescents, on va dire, décidé d'essayer voir ce que ça faisait. Le souvenir que j'ai de ce moment-là était mitigé parce que bon, j'étais content, j'avais l'impression d'être grand, de faire comme mon père que j'admire. Et l'autre souvenir qui était moins intéressant, c'était que je pense que je suis tombé malade après. J'ai dormi toute l'après-midi, j'ai peut-être eu une fièvre. Voilà. Bon après, bon, mon premier vrai cigare que moi-même j'ai acheté, c'était un Partagas. Alors là, en ce moment, je suis fou, passionné de pêche. Alors je viens de me prendre un petit bateau de pêche. Donc je pars de Anneyron en général et je pêche avec ma petite canne à pêche et mon cigare. C'est un projet qui est en cours, qui n'est pas encore totalement formalisé. Ce serait de mettre en place quelque chose à Anneyron pour partager ma passion avec d'autres personnes comme moi qui ne savaient pas tout le bonheur qu'on a à pêcher, peut-être fumer. Papa.
never was much on thinking. Spent most of his time. Alors Lionel Jondo, t'es un jeune Togolais qui travaille à la banque, mais également un passionné de sport. On en a parlé tout à l'heure de football, de badminton, de beaucoup d'autres sports. Basket, je suis très ouvert en fait, voilà, de tout ce qui est nouveau. Moi, voilà, j'aime bien découvrir. Et en dehors de ça, Lionel est marié, pas encore père, mais ça ne saurait tarder. Je pense que c'est à peu près tout, hein, Lionel. Voilà. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus déterminé hein, que dans le passé, dans le sens où j'ai identifié clairement les points sur lesquels je dois m'améliorer, les points sur lesquels je dois foncer et là où je dois moins m'attarder. Il n'y a pas de définition exacte de ça, mais faire plus autour de soi, faire du bien autour de soi. Voilà. Au cours des années, justement, j'ai été amené à mieux structurer ce côté-là et mieux voir comment participer à ma communauté, en fait, les gens autour de moi, et comment contribuer à améliorer mon environnement, en fait, les gens autour de moi, ma famille, mon village, mon pays, mon continent. Donc ce sont des sujets qui me tiennent beaucoup plus à cœur que dans le passé. Et aujourd'hui, je participe beaucoup à tout ce qui va autour de ce thème-là. J'ai découvert le cigare à travers mon père. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était quelque chose d'interdit pour moi, parce que j'étais trop jeune. C'était un plaisir caché. Donc j'ai commencé à fumer, mais pas devant ma famille, mon père en particulier. Et voilà, j'ai découvert le cigare avec mon père. Et je me rappelle que c'était des moments de plaisir. Je ne fumais pas, mais l'odeur me fascinait. Donc je faisais tout pour rester le plus proche de lui, pour pouvoir humer un peu de sa fumée. Donc depuis très jeune, j'étais déjà dans ce milieu-là. Voilà. Donc un peu plus âgé, enfin avec le temps, j'ai commencé à acheter mes premiers cigares, j'ai commencé à fumer, j'ai rencontré des amis qui fumaient aussi, et voilà à peu près comment je suis rentré dans le monde du cigare. Voilà. Mais avant tout, c'était une passion qui a démarré très tôt. Voilà. Et la petite histoire, je vais avoir 40 ans bientôt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai commencé à fumer avec lui, ça fait moins de 5 ans. Ouais. Donc mon premier cigare, c'était à mon anniversaire avec lui. Voilà. Donc c'est un moment inoubliable, voilà, très mémorable.